amis blogueurs, je souhaitais vous parler d'une notion importante que moi j'appelle les flèches empoisonnées. Qu'est-ce qui nous empoisonne, qui nous fait du mal, qui nous empêche d'être bien, de bien vivre et puis qui peut même conduire à des pathologies. Les flèches empoisonnées, ce que j'appelle comme ça, c'est les pensées négatives. Des pensées négatives, les pires, c'est pas tellement les autres. Bon, d'autres personnes vont dire du mal de vous, vont vous critiquer, vous dire du mal et tout. En général, c'est d'eux dont ils parlent. Hein, mais c'est plus facile de mettre comme un bouclier de protection. Hop, face aux flèches empoisonnées, les autres vont vous dire « t'es nul, t'es bon à rien », etc. etc. Et on va dire « non, je refuse cette flèche empoisonnée, non, je refuse cette flèche empoisonnée, non, je refuse cette flèche empoisonnée », trois fois. Comme un bouclier, j'en veux pas, tiens, ça retour à l'envoyeur, comme un boomerang. Le pire poison, c'est les flèches empoisonnées qu'on s'envoie tout seul, c'est-à-dire c'est nos fausses croyances. Et c'est souvent des injonctions, en fait, qu'on a reçues entre 0, 7 ans, 7 ans, 12 ans. Du genre, on a entendu sans arrêt « t'es nul » ou « t'es une bonne à rien, t'as mangé ton pain blanc d'abord » ou enfin des choses pas très jolies comme ça, des phrases qui ont été dites, redites, comme un refrain leitmotiv. Et ça, ces petites phrases empoisonnées comme ça, eh bien, elles vont revenir tout le temps, elles vont être en nous. Et ce que j'aime bien, c'est donner un antidote. Parce que quand c'est nous-mêmes qui mettons cette propre pensée négative, quand nous-mêmes on se dit « non, je suis nul, j'y arriverai pas », je suis nulle, je suis une bonne à rien, non, j'y arriverai pas, j'ai peur de pas y arriver, et que ça, c'est produit par nous-mêmes, ça, c'est un vrai poison. Je vous donne une petite métaphore. Mon prof d'hypnose, Olivier, avait raconté une anecdote rigolote. Entre la salle de cours, là où il donne ses cours et ses formations, et son appartement, c'est très proche, il y a quelques 30 mètres, 40 mètres. À chaque fois, quand il fermait la porte et qu'il retournait déjeuner chez lui, à la pause déjeuner, il jouait avec son trousseau de clés. Il balançait ses clés comme ça dans la main, en sifflotant, et il rentrait chez lui. C'était un ancrage, une habitude. Un jour, il croise un piéton, un monsieur, qui lui dit « Oh, vous ne devriez pas faire ça, monsieur. Vous allez faire tomber vos clés dans le caniveau. » Et donc ça, c'est hop, une flèche empoisonnée, si je puis dire. Donc dans sa tête, on arrive facilement à mettre un bouclier. On dit « De quoi il se mêle, celui-là? Il ne peut pas s'occuper de ses oignons, etc. » On peut dire « De quoi je me mêle? C'est quand je n'étais pas sonné, etc. etc. » Ça, c'est vous mettez le bouclier. Vous refusez ce que l'autre, l'injonction que l'autre vous a dite. Ok. Il revient, il a déjeuné, etc. Il revient et machinalement, comme c'est comme un tic, un ancrage, il balance son trousseau de clés comme ça, sur le chemin, pour du retour à sa salle de cours. Et là, lui-même, il se dit « Oh là, attention que je n'avais pas balancé mes clés dans les trous de l'égout. » Mais il se le dit lui-même. Et là, bing, qu'est-ce qui arrive? Et pour la première fois depuis des années et des années, les clés sont tombées dans le caniveau. Et en fait, c'est parce que ce qui est pire, le pire poison, c'est quand on émet soi-même cette pensée négative, cette flèche empoisonnée. Alors ça, c'est destructeur, ça fait beaucoup de mal à l'intérieur. C'est beaucoup plus puissant, hein, puissance 10 que quand c'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a des flèches empoisonnées et on en a tous, nos fausses croyances, nos pensées négatives et horribles vis-à-vis de nous-mêmes? Parce que notre pire ennemi, avant tout, c'est nous. C'est pas les autres, la belle-mère, le conjoint, le machin. C'est d'abord nous-mêmes contre nous-mêmes. Et notre pire ennemi, c'est nous. Et nos pires flèches empoisonnées, on se les envoie tout seul. On est assez grand pour ça. Donc, on va se donner un antidote. Et moi, j'aime que mes stagiaires, par exemple, je leur apprends, et même mes patients, je leur donne un mantra antidote. Alors, j'en propose plein. Mais dans ces mantras antidotes, j'aime dire que c'est la petite phrase du matin. Ce mantra, ça peut être, par exemple, je suis libre, je suis libérée. Vous ne précisez pas de quoi, sous-entendu, des kilos en trop, des addictions, de la clope, de mes emmerdes, de mes soucis. Je suis libre ou je suis libérée. Je suis sereine, je suis serein. Je suis heureuse. Je mérite d'être heureux, heureuse. J'accepte d'être heureux, heureuse. Très important. Je me respecte, sous-entendu mon corps, mes besoins. D'accord? Je me respecte. Mais ça peut être aussi, je m'épanouis, je me réalise. C'est une permission, une autorisation, un baume que vous vous donnez à vous-même. C'est ce dont vous avez besoin le plus à ce moment, à cet instantané de votre vie. Donc réfléchissez et vous me le formulez de cette manière. Je, toujours, ça dépend de vous,
On va pas dire « je voudrais qu'un tel soit amoureux de moi ». Non, ça marchera pas. On n'est plus à la maternelle. Mais on peut dire « j'aime et je suis aimée en retour ». J'accepte d'aimer et d'être aimée en retour. J'ai une belle vie. J'accepte d'avoir une belle vie. Je m'épanouis, je me réalise. Je m'ouvre en confiance à la vie. Après, c'est, je suis en pleine et parfaite santé. Je suis guérie. Je m'allège, sous-entendu des soucis, des problèmes ou des kilos. Après, ça dépend ce que vous voulez, évidemment. Mais construisez votre mantra. Il est court et synthétique, il est bref. On dit « je ». On dit le verbe au temps présent. Surtout, surtout, jamais de négation. L'inconscient n'entend pas la négation, d'accord ? Je suis libre, je suis libérée. Et pas « je fume pas ». Je ne fume pas. Non, parce qu'il entend « je fume », ok ? Donc, on dit « je suis libre », « je suis libérée », par exemple. On le dit en formulation positive, toujours. Verbe au temps présent. Et j'aime mieux, au lieu de « j'arrête de fumer », ou « je veux arrêter de fumer », on ne dit pas « je veux arrêter de fumer » ou « je veux perdre du poids ». « Je suis mince », « je m'allège », « je suis libre », « je suis libérée », d'accord ? J'aime même pas qu'on dise, on dit « j'arrête de fumer », par exemple. Ok ? On dit « je », on dit le verbe au temps présent, on dit la chose, voilà, très courte, très bref, très synthétique. Pourquoi on le dit comme ça ? Parce que la pensée crée notre réalité. Vous l'avez bien compris, ça marche dans le négatif. Vos propres pensées, flèches empoisonnées, créent la réalité. Mais vos propres pensées belles, un baume, mantra qui font du bien, créent votre réalité. Donc on va mettre des belles pensées. La pensée crée la vie, la pensée crée votre réalité. Faites que votre réalité soit belle, qu'elle vous ressemble, que faites, voilà, qu'arrive dans votre vie ce que vous souhaitez de bon pour vous. Ok ? Les pensées créent la réalité. Et ça marche dans cet ordre-là. On a d'abord une idée. Une idée, c'est une abstraction. Une idée, elle est en conscience majuscule, ceux qui connaissent l'hypnose humaniste avec moi. Une idée abstraite qui devient pensée, réflexion, et la mise en mots, l'expression est fondamentale parce que c'est la porte juste avant l'action, la réalité. La mise en mots fait descendre dans la réalité, la matérialité de la vie. Donc vous l'exprimez haut et fort. Donc ce mantra, je suis libre, par exemple, je suis libre, vous le dites trois fois. Le cerveau a besoin de trois répétitions, toujours minimum syndicales, pour engrammer une information. C'est vrai pour tout. Et pour vos enfants qui apprennent leurs leçons, pour vous qui étudiez une nouvelle danse, un jeu, ce que vous voulez, le shiatsu, on fait trois fois les points. Okay ? On dit donc trois fois son petit mantra. À haute voix, c'est mieux, idéal. Mais dans la tête, s'il y a du monde, vous dites ça dans le métro, dans la voiture, sur le scooter, vous dites ça quand vous allez aux toilettes, on dit trois fois, ok ? Et on va répéter dans la journée trois fois trois. Ça, c'est le mantra antidote, le mantra de la belle pensée qui va se matérialiser dans votre vie, ok ? Et qui va vous rendre la vie belle et douce comme vous la voulez, comme je vous la souhaite. On dit trois fois à chaque fois et trois fois trois dans la journée. Le matin, quand j'ouvre les yeux à la vie, que je suis réveillée à la vie, je prononce trois fois mon mantra. À haute voix si je suis seule, dans ma tête si mon conjoint, mes enfants sont tout près de moi, par exemple. Et dans la journée, je refais trois fois trois. Donc, le fait de le dire, de le redire, de le répéter dans les synapses du cerveau, ça va engrammer l'information. Et je le tiens pendant trois semaines, là aussi, minimum syndical. Je préfère 28 jours, un mois, qui peut le plus, peut le moins. Ok, je le dis trois fois trois dans la journée et je le tiens pendant un mois. Et après, je peux changer de mantra. Ok, que votre vie soit belle, douce, heureuse.